on est samedi 4 octobre. C'est déjà le 4e vlog que je vous poste. Je suis trop contente. Honnêtement, aujourd'hui, je suis très fatiguée. Je pense que j'ai encore de la fièvre. C'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai prévu plein de choses, mais j'ai prévu surtout de parler d'un sujet que vous m'avez beaucoup demandé d'aborder, qui est un petit peu les tarifs à New York, parce que ça fait maintenant 3 semaines, je crois, que je suis à New York. Et... ça fait mal. Dans mon appartement tour, on avait déjà parlé du prix de l'appartement, etc. Là, on va un petit peu parler des courses. Je vous partage tout le temps le prix des restos, de tout. Mais c'est vrai que les courses, j'ai pas beaucoup partagé à ce niveau-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va aller faire les courses ensemble, faire un retour de course, vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans mon frigo, combien ça coûte, etc. Parce que c'est quand même assez particulier les tarifs ici. Enfin, particulier, c'est pas le mot. Très cher plutôt, c'est le mot. Et avant de commencer cette vidéo, sachez qu'elle est en collaboration avec la marque Captain Hanson. C'est mes petits bijoux, ma montre que je porte actuellement. Ça fait plusieurs mois que je porte cette montre et je n'ai jamais autant reçu de messages par rapport à quelque chose que je portais. Donc ça m'a trop fait plaisir. Ça faisait très 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 longtemps que je voulais une montre dorée. Et aussi ce petit bracelet que j'avais, que j'aime trop. Et j'avais aussi un autre bracelet, mais je suis dégoûtée parce que je l'ai oublié à Paris. J'aurais pu vous le montrer. C'est une chaîne, je vais vous mettre une petite photo, qui est trop trop belle aussi. Et en fait normalement je porte les trois ensemble et c'est trop beau. Bon là déjà c'est trop beau comme ça. Moi j'ai choisi cette montre là parce que l'intérieur est un petit peu vert. C'est ce que j'aimais trop sur cette montre parce que ça me rappelait les fêtes de Noël, c'était parfait. Je sais pas, j'aime trop. Et surtout en fait ce que j'aime c'est qu'elle est ultra gold. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parfois quand on a des bijoux, des trucs et que ça coûte pas 3000 euros, bah c'est pas hyper hyper gold, genre c'est pas pétant. Et là c'est pas du tout le cas et c'est ce que j'avais trop aimé justement sur ces bijoux et ces montres. Sur le site de Captain Hanson vous avez plein de modèles différents. Franchement vous pouvez pas me dire qu'il y en a pas une qui vous plaît, c'est impossible, il y en a tellement, il y a plein de couleurs différentes. Enfin, franchement celle-ci je vous la conseille parce qu'elle est quand même trop trop belle, genre le gold avec le vert, enfin je sais pas, j'aime trop. Et j'ai même reçu une trousse, mais ça vous l'avez déjà vu, vous savez que c'est la trousse dans laquelle je mets tout mon maquillage, je l'ai même pas vidé. C'est bien évidemment vegan, je précise, parce que c'est important. C'est une matière qui est facile à nettoyer, qui résiste à l'eau, donc c'est parfait pour tout ce qui est make-up, même produits de beauté. Moi je trouve que c'est vraiment la taille parfaite pour le make-up. Tout ça pour vous dire qu'il y a plein de choses sur le site. Moi ce que je préfère vraiment c'est la montre et les bijoux. C'est ultra quali, elle est faite en acier inoxydable et elle est résistante à l'eau. En plus en ce moment du coup il y a une offre bien évidemment pour Noël, donc du 30 novembre au 30 décembre à partir de 50 € d'achat, vous avez un shopper bag, je vous mets une photo juste là, offert, et il vaut 34,90 €, donc c'est plutôt sympathique comme petite offre, ça fait un cadeau en plus. Petite info, si jamais vous voulez commander pour Noël, toutes les montres sont envoyées dans un coffret de Noël, et surtout si vous voulez recevoir vos petits trucs avant Noël, il faut commander avant le 20 décembre. Toutes les commandes passées avant le 20 décembre, vous êtes garanti de les recevoir pour Noël, donc c'est très cool. Il y a une politique de retour jusqu'au 7 janvier. Donc voilà pour ma petite montre, je suis contente de vous la présenter, je crois que c'est la première fois que je vous en parle sur YouTube, et comme ça vous arrêtez de me poser la question aussi. Bon, je pense que là je vais me poser, faire un petit peu de montage et ensuite nous allons aller faire nos courses. On va en parler parce qu'il y a plein de choses à dire. A tout à l'heure. Bon, on va aller faire les courses. On va aller d'abord chez Trader Joe's. Trader Joe's en fait c'est un supermarché et c'est un des moins chers qu'il y a ici à Manhattan. J'ai l'œil qui pleure. Tout le monde va voir que je pleure à la caméra. Il y a 500 personnes autour de moi. Il faut savoir quand même que ici le mood c'est vraiment de prendre à emporter à manger. En règle générale, bon moi j'ai de la chance mais les cuisines sont très très petites. Et puis même le mood à New York, tout est emporté. Tout le monde mange un peu dehors. Ils cuisinent pas beaucoup. Donc du coup t'as vraiment pas forcément envie de cuisiner. Et j'avoue j'ai pas fait énormément de courses depuis que je suis arrivée. Je mange pas mal de trucs genre à l'extérieur à emporter. J'en pleure. Je suis en train de passer pour une malade mentale. Donc du coup voilà, on va aller chez Trader Joe's parce que c'est un des moins chers. Et on va aussi tester Whole Foods, genre vraiment faire des courses à Whole Foods parce que c'est réputé pour être le supermarché le plus cher des États-Unis. Super. Donc je vais vous montrer un petit peu. Je pense que ça va être un peu galère de filmer dans le magasin, mais j'essaierai de vous montrer quand il y a des trucs super chers ou des trucs beaucoup moins chers, des tarifs vraiment différents de ce qu'on a en France. Et à la maison on fera tout l'unboxing. En vrai j'ai pas envie de faire beaucoup beaucoup de courses parce que de tous les cas je suis toute seule à les porter. Et il faut savoir aussi un truc, c'est que New York en général quand tu fais tes courses tu les fais assez souvent parce que tu te déplaces en métro, tu te déplaces pas forcément en voiture, t'as plein d'étages etc, donc les New Yorkais font vraiment très peu de courses. Donc voilà, let's go, j'y vais à pied parce que ça me fait du bien. Il y a à peu près 30 minutes de marche jusqu'à Trader Joe's et Whole Foods, il y en a un à 10 minutes à pied de la maison. Bon, c'est Evelyn Levin pour mes cup noodles. D'ailleurs j'ai vu les commentaires de la vidéo, vous vous moquez de moi quand même. Les cup noodles je connaissais avant tout ce qui est nouilles instantanées etc, bien évidemment, mais ce que je voulais vous dire c'est qu'il fallait goûter les cup noodles, les vrais cup noodles que je vous ai montré, cette marque là, voilà. Arrêtez de vous moquer. J'ai pris un petit caddie. La taille des grenades, c'est des boules de bowling.
Ce que j'aime trop aux États-Unis, enfin ici en tout cas, c'est qu'il y a énormément de trucs passants, mais il y a aussi plein de trucs genre remplacés. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est des chips de chou-fleur. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, j'aime trop. J'ai trop envie de prendre du bacon, mais l'autre fois j'en ai acheté et il est tellement épais et gras, genre c'est pas très très bon et j'arrive pas à en trouver du fin. Regardez juste la quantité de lait qu'il y a. Oh, il y a du lait avec déjà du matcha. Ah, blueberry lavender. Oh, turmeric ginger. Je vais prendre du lait d'amande pour le matin. Ils ont une quantité de crackers, genre c'est, j'ai jamais vu ça de ma vie. Même les pots de glace sont en gros, tout est en gros ici, c'est un truc de fou. Une sauce spicy à la truffe pour les pâtes, let's go. Et un truc de fou, c'est que les légumes, genre là vous voyez, il y a des poivrons, il y a genre des avocats, mais c'est tout, genre il y a rien. Là en légumes, il y a que ça. Et il y a genre des oignons et tout, mais il y a pas de courgettes, il y a pas tous ces trucs là. C'est trop bizarre, ça fait bizarre vraiment. Il y a même des popcorn à la truffe. Est-ce que je prends ça ou pas? Let's go. Almond butter, granola. Ils ont des trucs genre, on sait pas ce que c'est. Alors ça c'est vraiment les États-Unis. Déjà ils ont un nombre de saucisses différentes, je savais même pas que c'était possible. Ils ont tous les nuggets du monde, tous les trucs possibles frits. C'est trop bizarre. Il y a vraiment du lait à tout. C'est du délire. Et ils ont plein de boissons en probiotiques, c'est trop spécial. Je vais prendre mes yaourts préférés. Alors ici, il y a un truc très particulier, c'est que vous avez à manger tout prêt. Genre comme par exemple chez Monoprix, il y a du poulet et tout, mais il y a encore mieux. Il y a genre vraiment des plats et à ce qui paraît, c'est super bon. Vous pouvez vous servir, j'ai jamais goûté, j'avoue, pour l'instant ça me tente pas trop. Mais peut-être qu'un jour je goûterai dans un Vlogmas. J'ai trop envie de prendre du mac and cheese, je sais pas si je prends celui-là ou celui-là. Celui-là il a l'air plus... Je vais prendre celui-là. Je crois que je vais prendre ça. Des nuts à la pomme, tous les bagels, avec des muffins, plein de trucs à manger. Je suis rentrée des courses comme d'hab, il fait déjà nuit. Regardez juste la couleur du ciel, trop beau. Nous voilà dans la cuisine, on va faire un petit débrief des courses. Pour parler des tarifs globalement à New York, il faut savoir que ça coûte vraiment plus cher qu'en France. On va prendre Paris comme exemple parce que c'est déjà une ville très chère. C'est vraiment plus cher qu'à Paris. Donc déjà tout ce qui est appartement, comment dire, hors de prix. La différence entre le dollar et l'euro est très petite maintenant. Donc quand on parle en dollars, c'est un tout petit peu moins en euros, mais c'est vraiment pas beaucoup. Il faut savoir que par exemple pour un studio qu'on pourrait avoir à Paris pour peut-être 800 €, un petit studio, parce que on sait comment sont les prix. Ici, un petit studio, vous en avez pour 1 500 à 2 000 $. Vraiment, j'ai vu des trucs. J'ai pas arrêté de regarder des appartements tours à New York, plein de trucs, et c'est hyper cher. Donc déjà ça, c'est extrêmement cher, mais au point que vraiment, je me demande comment les gens font. Enfin bref, autre chose, les restaurants, c'est inabordable. C'est un truc de fou. L'autre jour, on est allé manger des pizzas avec Jérémy. Une pizza chacun, et Jérémy a pris une bière en plus. C'est tout, rien d'autre. On a eu pour 75 $. Tous les tarifs affichés sont les tarifs sans taxes. Nous, en France, tout est le tarif que vous allez payer à la caisse. Ici tout est affiché sans les taxes, et dans tout ce qui est restaurant ou quand il y a un service en plus, il faut toujours rajouter des tips. Vous avez 15, 20, 25%. En fait vous payez et après votre paiement il y a marqué 15, 20, 25% en plus de tips pour la personne, et vous pouvez sélectionner, vous pouvez aussi mettre pas de tips, mais enfin ça se fait vraiment pas, pour le coup c'est obligatoire. Donc vous allez payer par exemple 15% du tarif global. 15% c'est genre pas ouf, 20% c'est bien, 25% c'est très bien quoi, si vous voulez. Ça il faut le prendre en compte. Franchement il y a des moments ça revient hyper cher. L'autre jour aussi on est allé prendre un ramen chacun, on a eu pour 50 $ au total. Tout ce qui est activité, par exemple la patinoire, c'est pareil, pour deux on a eu pour 70 $ je crois. Enfin pour aller faire du patin à Central Park, enfin faut arrêter. Nous en France, je suis pas une grande consommatrice de bouteilles d'eau et j'espère que vous non plus, mais j'en sais rien, si vous êtes assoiffé, que vous êtes en plein Paris et que vous mourrez de soif, vous allez vous acheter une bouteille d'eau, et bah votre bouteille d'eau vous allez aller n'importe où, à Monoprix, Carrefour Market. Vous savez très bien que ça va vous coûter un petit peu plus cher que là où vous faites vos courses habituellement, mais vous le prenez ici. C'est 4 $, parfois 5 $ ta bouteille d'eau. Enfin tu te dis mais c'est pas possible. Il y a vraiment des trucs, c'est abusé. Au niveau des supermarchés, comme je l'ai dit, Trader Joe's c'est ce qu'il y a de plus abordable à Manhattan en tout cas. Après parce qu'il y en a plein qui me disent peut-être Andy il faudrait que t'ailles plus loin comme Manhattan etc, mais je vais pas vous mentir, il y a pas beaucoup de monde qui fait ça. Enfin quand t'es à Manhattan tu vas pas faire tes courses à l'autre bout de Brooklyn, parce que déjà rien que faire ses courses à Manhattan c'est chiant. Bref, Whole Food, alors on en avait parlé sur Instagram, c'était un grand débat, mais c'est assez cher. Moi j'ai remarqué que c'était pas
pas hyper cher pour les produits de base. Par exemple, si vous voulez acheter des pâtes, du riz ou ce genre de trucs, c'est pas hyper cher, mais en fait c'est cher parce que aux États-Unis, je trouve qu'il y a un truc qu'on a vraiment pas en France, c'est tous les aliments transformés. Je sais pas trop comment appeler ça, transformés, mais sans. Par exemple, toute la nourriture sans gluten, toute la nourriture sans laitage, tous ces trucs là, la viande qui est remplacée par des steaks végétaux. Alors on en a en France, mais on a des trucs Erta quand tu vas chez Monoprix, t'as 2-3 trucs quoi. Là, Whole Foods par exemple, c'est que ça, du fromage sans laitage, t'as plein de trucs et forcément bah ça a un prix et effectivement c'est cher. Parfois il y a des aliments on comprend pas, c'est hyper cher, et d'autres ça va. C'est un peu c'est un peu spécial, et Trader Joe's pour le coup c'est plus abordable, mais on est quand même aux États-Unis, franchement on voit, enfin tout est en grosse quantité, il y a plein de cream cheese, il y a plein de café, il y a plein de lait, il y a plein de gâteaux, il y a plein de brownies, il y a plein de muffins, de cupcakes, il y a tout ça quand tu fais des courses. Bon, chose qu'on a pas du tout en France, enfin qu'on a moins en tout cas. On va regarder les tickets de caisse et on va commencer par Trader Joe's. Donc j'en ai eu pour 46,65$, ça fait 41,23€, donc on va dire 40€. Alors aussi il faut savoir que j'ai pas fait des courses pour cuisiner, j'ai fait des courses pour tous les trucs à grignoter, les trucs pour le petit déj, quelques repas vite fait, des petits fruits. New York, le bout, je vous dis, là c'est pas cuisiné, je suis pas là pour un an et demi, donc j'ai envie aussi de profiter des plats qui sont un petit peu à l'extérieur, et franchement parfois ça vaut plus le coup de manger une petite bêtise à l'extérieur plutôt que de faire par exemple d'acheter tous les aliments pour une salade. Je peux vous assurer que ça vaudra plus le coup d'aller acheter votre salade. Aussi j'ai acheté des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, mais comme ça vous voyez les prix. Par exemple le premier truc sur la liste c'est les popcorn à la truffe. Voilà, on n'est pas obligé de compter ça pour des courses. Popcorn à la truffe, 2,99$. Ça je garde pour ma vidéo où je teste des trucs chelous. Granola almond butter, 3,69$, un petit paquet. La sauce à la truffe, 5,99$. Là. Alors le coconut turmeric gold, ça c'est une boisson que j'aime trop, 2,79€. J'ai pris un bouillon de poulet, 1,99€. Lait d'amande, 1,99€. La boisson au matcha, 99 centimes. J'ai acheté de l'infusion gingembre, 3,99€, c'est hyper cher. Le kombucha, 2,89€. Yaourt grec à la vanille, c'est dans le frigo, 2,99€. J'ai pris des brownies sea salt, 4,49€. J'ai pris des petites chips, j'en ai mangé un petit peu, au chou-fleur, me demandez pas, 2,99€. Les framboises, 2,99€. Des ginger shots, 3,98€ en tout. Et voilà pour Trader Joe's, donc ça fait à peu près 40€. Il y a quand même pas grand chose, mais je trouve que ça passe hein. C'est pas non plus excessif. Ensuite on passe à Whole Foods. J'en ai eu pour 58,65€, et pour le coup franchement j'ai pas grand chose à manger. Ça fait 51,85€. Il faut savoir quand même que j'ai fait une petite pause en rentrant parce que c'était dur de faire les courses toute seule. J'ai acheté du houmous avec des petits pains. Attendez, je vous montre. Mais en fait j'ai tout mangé, il y avait plein de petits pains, là on dirait qu'il y en avait 3 tonnes mais pas non plus 3 tonnes, avec du houmous. Du coup le houmous il était à 3,29€. Ensuite j'ai pris, ça j'avais trop envie de goûter, du mac and cheese surgelé, 3,99€, on va voir. Les donuts, 3,99€. J'ai pris des noix de cajou salées, c'était 9,69€. Après ça même en France ça coûte cher, un truc trop abusé. Attendez, des raviolis au fromage de base, 8,99€. J'ai acheté une boisson parce que ils font plein de partenariats avec les influenceuses genre aux États-Unis, parce que non je pense pas qu'on ait ça en France. Ça s'appelle La Croix et c'est des boissons genre sans calories, sans je sais pas quoi. Mais en fait je l'ai tellement vu sur Insta et dans des vidéos que je me suis dit que j'allais goûter, genre est-ce que c'est vraiment bon ou pas. Donc on va voir, c'était 99 centimes. J'ai pris, mais ça j'ai abusé, je pense que j'avais pas vu ce prix là parce que je l'aurais jamais pris sinon. C'est trop abusé, c'est des petites vous savez des petites boules comme ça, c'est des trucs à la noix de coco, 5,99$. Ensuite j'ai pris mes yaourts. Alors j'en ai pris combien? 6. C'est les yaourts que je prends tous les matins. C'est du Skyr et je prends les mêmes en France. J'en ai eu pour 10,14€ quand même. Les petits pains là, j'en ai eu pour 2,10€. J'ai acheté du bacon. Ouh, j'avais pas vu le prix comme ça. 8$. Bon, faites-vous plaisir. Un bagel en vrac là, comme ça. 1,25€. Et voilà. Franchement, j'ai pas grand chose chez Whole Foods. Et du coup, je crois que c'est tout. Il me restait les petits trucs dans le frigo que j'avais acheté. Je fais pas vraiment des courses, vous avez vu. Enfin, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas tout ça. C'est plus tous les trucs à grignoter, etc. quand je suis à la maison. Ou le soir, des petits bouillons, des petits trucs comme ça. Est-ce que vous mettez vos bananes au frigo? C'est une vraie question. J'ai besoin de savoir si c'est ce qu'il faut faire ou pas. Du coup, mon frigo, il n'y a pas grand-chose. Et mon placard. Voilà. Bon voilà pour ce petit retour de course. C'est vraiment le truc que je veux quand même souligner, parce que on m'a toujours dit que c'était cher à New York, et je savais que c'était cher à New York. Comme je l'ai dit, mon copain il est venu plusieurs fois à New York, et depuis le Covid ça n'a jamais été aussi cher. Dites-vous qu'en un an ça a augmenté de plus de 6% les tarifs au global. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énormissime. Si vous y êtes allé, il y a parce que je me suis prise des remarques de gens qui me disaient ouais j'y suis allée en 2012, j'y suis allée en 2014, qu'est-ce que tu racontes. Savoir quand même que l'autre jour on avait mangé des pancakes
je crois que c'était 15 ou 17 dollars juste les pancakes, genre pour une personne, sans les chips. Voilà, Brooklyn, c'est pareil, les magasins c'est pareil, j'y suis allée, peu importe où dans Manhattan c'est pareil, je suis allée plein de fois dans les magasins, plein de fois dans les supermarchés, c'est partout pareil. Peut-être qu'il y a peut-être certains endroits dans Brooklyn où c'est un petit peu moins cher. En tout cas, je suis allée plusieurs fois à Brooklyn et à chaque fois, c'était les mêmes prix qu'à Manhattan. Donc voilà, il faut savoir que ça a beaucoup augmenté avec le Covid. Donc c'est à noter si vous venez à New York. J'ai fait deux restaurants depuis 3 semaines. J'ai fait une fois les ramen, une fois les pizzas, là, restaurant italien. Et voilà, même les bagels. Enfin, on voit des bagels partout quand on pense à New York. Et voilà, c'est 15 dollars le bagel, quoi. Alors c'est peut-être consistant, ce que vous voulez, mais c'est 15 dollars le bagel, enfin. C'est énorme. Donc voilà, il faut être préparé à ça. C'est le sujet de la vidéo, c'est les prix. Voilà pour ce petit retour de course. Je pense que je vais continuer de ranger un peu l'appartement parce que c'est le bazar. Et ce soir, je sais pas ce que je fais. Il est un peu tard là déjà. On va voir. J'ai mon petit bagel, j'ai fait un bagel maison. C'est la deuxième fois que je fais ça. J'ai acheté du coup le pain bagel, j'ai mis du bacon, du cream cheese et une tranche de mozzarella. C'est ce que j'avais dans mon frigo de la dernière fois. Du coup, on va goûter ça. En vrai, c'est un peu chaud. La dernière fois, j'avais mis avec des œufs, mais là, franchement, j'avais trop la flemme de faire des œufs. Mmh, trop bon. C'est trop bon, mais... vraiment beaucoup. Je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé un petit peu au niveau des tarifs pour New York, parce que je sais qu'on m'avait grave demandé. Dites-moi en commentaire, je suis encore à New York pendant quelques temps, ce que vous voulez voir ici, ce qui vous intéresse, qu'on pourrait faire des vidéos là-dessus, je sais pas. Dites-moi ça en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je poste une vidéo par jour, tous les jours à 19h, tout le mois de décembre pour le Vlogmas. Activez les notifications pour pas les louper et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Je suis active tous les jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve demain à 19h.